music. I got my man, who could ask for anything more? I got daisies in green pastures. I got my man, who could ask for anything more? Old man Trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams. En exclusivité sur A2 Turf, nous sommes dans l'enclosure des balances de l'hippodrome du Royal Ascot, en espérant tous, français et françaises, voir Frankie Dettori déceler la championne de Christiane de Marek, j'ai bien surnommé Trève. Troisième avec Trève, c'est une déception. Ah ben un petit peu, oui, mais quand elle est partie au départ, j'étais un peu surprise de son action. Elle avait très mauvaise action aujourd'hui. Ça s'explique comment ? Ben, ça s'explique, pour le moment, ça s'explique pas parce que je l'ai pas, j'ai pas le temps de l'expliquer. Et puis je ne sais pas pour quelle raison. Apparemment, elle aurait tapé dans le mur dans son box ce matin. Est-ce qu'elle s'est fait mal à un pied ? On va voir ça à Chantilly demain quand elle va rentrer. Mais elle n'avait pas son action habituelle en tout cas. Oui, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle a un mauvais parcours. Non, non, elle a eu un parcours de rêve. Il y a pas de... Elle n'a aucune excuse. Si ce n'est qu'en allant au départ, elle avait vraiment très mauvaise action. On prend les choses comment maintenant ? Ben, on prend les choses très bien. C'est-à-dire qu'on va regarder si on trouve le problème. Et puis voilà, et puis elle n'est pas battue, hein, elle est toujours vivante et on va recourir. Hein. Donc on rassure les supporters de Trève. Bien sûr, absolument. It's a fantastic race to win. It's one of the last races to win so well, but to get her back as a five-year-old mare at this level is great. It's a credit to the team at home. Take us through the race and how it unfolded. It was perfect. It was like a, you know, it was a very clean race, good even pace, and you know, I haven't seen the replay, but it looked like a race where every horse had every chance of running to his best merit.